Yeah, partagez les gars, partagez. J'ai encore prêté la page des Amazones pour donner mon avis. Partagez, bipé Vassero, bipé Jovi. C'est pas ce que Facebook veut. Facebook m'a restreint, je ne peux même pas. Fautier, je cherche mon administrateur là, Fautier, qui m'ouvre une autre page. C'est l'engalon qui commençait à dire que l'Amazon Bertini. Pourquoi je cherche ma part de page? Fautier, pourquoi tu me cherches, tu me changes, je guide mon avis officiel. On trouve une autre page. Ok? Bon. Quand on atteint 50, je lance, les gars. Partagez. Bipé Vassero, bipé Jovi. Bipé Vassero, bipé Jovi. Je vois même pas les commentaires. Mettez les cœurs en même temps. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, les gars. C'est un coup direct. Mettez les cœurs. Je vais dormir. Please, donnez les cœurs. Mettez, je ne vois même pas les commentaires, les gars. Bipé Jovi. Je viens dire quoi? Je donne mon avis. Gars, partagez. On atteint 50. 50. Je commence. 50, les gars. 50. Poussez. Mettez le mercure. Moi-même, je veux dormir. Mettez le mercure. Donnez les cœurs. Je ne vois même pas les commentaires, les gars. Je partage aussi ici. Mettez les cœurs. Voilà, poussez 50. Je n'ai pas bu d'alcool. Je ne suis pas manipulé. Ok. Poussez les gars, poussez. Donnez-moi les cœurs. Il faut qu'on me crée une autre page. Poussez.
Lipe Vassero, Lipe Jovi. Je vois qu'il y a un clash qui se passe, mais je ne pense pas que c'est un clash. Parce qu'il n'y a pas match. Je vais lire ce que Jovi a écrit. Jovi a dit, Vassero, fais très attention. Tu me mentionnes dans ta propagande. Évite mon nom quand tu veux te positionner en donneur de leçons. On ne vient pas du même endroit. C'est le jour où tu t'es exposé à la lumière que tu as connu la frustration de ce système. C'est le jour où tu as connu la lumière que tu t'es exposé à la lumière. C'est le jour où tu t'es exposé à la lumière que tu as connu la frustration de ce système. Nous, on vit ça dans le noir depuis très longtemps. Et la façon dont les jeunes anglophones ont utilisé l'art pour s'exprimer dans ce pays est très remarquable. C'est un hustle qui n'est pas à ton niveau. Avant la crise anglophone, tu ne calculais pas les anglophones. Tu n'as jamais dit un mot en anglais ou pidgin dans une de tes chansons. Tu fais partie du problème. Nous, on a mis les mots français dans nos chansons pour que tu nous acceptes. C'est un résumé de la crise anglophone. Tu fais partie du problème, je te répète. Tu n'as aucune leçon à donner à un artiste anglophone. Les choses que tu essaies de comprendre avec le cerveau, lui, il a ressenti ça dans sa chair depuis sa naissance. Et on n'en parle pas dans nos chansons. Mais comme tu ne comprends pas l'anglais, tu n'en sais rien. Kerry James, que tu imites, n'est pas le seul. Mais Jovi, je vais te dire ici que tu es Jovi pour moi, c'est l'un des rappeurs que je pouvais dire que c'est l'un des rappeurs qui avait un peu un style américain. Mais tu es où? Mais il est où avec ça? Mais ce qui m'énerve sur lui, c'est qu'il est tellement hautain. C'est un gars qui... Je connais beaucoup de gars qui l'ont contacté pour un truc comme ça de musique. Il est tellement orgueilleux. Et c'est ça qui tue le Camerounais. Parce qu'on dit que tu es l'un des artistes. Parce qu'on dit que le rap est américain. Ou bien le rap est mieux en anglais qu'en français. Mais je vais te dire que il y a des raps. Par exemple, le rap de Vassero m'a pénétré. Le rap de Vassero a pénétré beaucoup de Camerounais. Parce que les tests que Vassero... Mais tu dis ici, c'est le jour où tu t'es exposé à la lumière que tu as connu la frustration de ce... La frustration. Je sais pas si c'est frustration qu'il a écrit. Que tu as connu la frustration de ce système. Je sais pas si vous voulez dire frustration. Il a dit frustration de ce système. Non, la frustration de ce système. Parce qu'il dit, nous on vit ça dans le noir depuis très longtemps. Pourquoi vous vivez ça dans le noir? Alors ici, je vais te dire, Jovi, je ne sais pas, un artiste ne va pas dire qu'il vit dans le noir. Un artiste doit être la lumière. Un artiste doit être le miroir du peuple. Un artiste doit dire ce qui se passe dans le... Surtout un rappeur. Toi, tu dis la frustration que tu... Nous, on le vit dans le noir depuis très longtemps. Et la façon dont les jeunes anglophones ont utilisé l'art pour s'exprimer dans ce pays est très remarquable. Bien sûr, j'ai aimé ça. Parce que les anglophones ont utilisé l'art. Les anglophones ont mélangé l'anglais et le français. J'ai toujours dit ici que c'est les anglophones dans la musique qui ont compris la musique au Cameroun, là au Cameroun. Parce que les anglophones, les anglophones sont minoritaires, mais le marché de la musique, le showbiz est francophone. Donc, ils ont été sages en mélangeant l'anglais et le français dans leur musique. Ce qui fait que les francophones ne mélangent pas. Les francophones ne mélangent pas leur musique. Vassero n'a pas mélangé l'anglais dans
dans sa musique. Mais Vassero a compris le marché. Vassero a compris le peuple. Parce que si on n'avait pas interdit les morceaux de Vassero au Cameroun, tous les Camerounais devaient s'imprégner. Tous les Camerounais, je pense que les Camerounais devaient se désambifier. Parce que la Vassero est comme la Pyro. Mais quand tu viens dire que avant la crise anglophone, tu ne calculais pas les anglophones. Tu n'as jamais dit un mot en anglais ou pidgin dans tes chansons. Justement, c'est ce que je te dis. Vassero, c'est quelqu'un qui a vu que ce gouvernement ne parle pas le français, ni l'anglais. Ce gouvernement ne veut pas parler l'anglais. Donc Vassero a utilisé un test que ce gouvernement doit comprendre. Que ce gouvernement doit comprendre qui est le français. Tu penses que si Vassero écrivait la première lettre en anglais, pour bien comprendre ça. La deuxième lettre en anglais, pour bien comprendre. Qui les choses en français, pour bien comprendre. Mais toi, la crise anglophone ne te dit rien. La crise Jovi, la crise anglophone ne te dit rien. Donne-moi un de tes morceaux qui parle de la crise anglophone. Que tu vis dans le noir. Tu n'as pas un morceau que tu vis dans le noir. Tu n'as aucun morceau de la crise anglophone que tu vis dans le noir. Et tu t'appelles un artiste. Tu as mélangé le français et l'anglais pour le marché camerounais. Pour le marché camerounais. Lui, il a chanté en anglais pour passer le message à ce gouvernement. Partagez le direct, les gars. Partagez le direct. Que Jovi ou Vassero doit suivre ça. Et la façon dont les jeunes anglophones ont utilisé l'art pour s'exprimer dans ce pays est très remarquable. Bien sûr, c'est un host qui n'est pas à ton niveau. C'est pas parce que Vassero, moi j'ai parlé anglais avec Vassero. Vassero s'exprime pas. Dans, il y a des textes. YDE, ils le connaissent, ils le savent. YDE veut dire Yaoundé. Il parle quand même l'anglais là-dedans. Il y a quand même un autre morceau, il y a une autre place où il parle l'anglais. Is very bad in Rio dos Camarões. Il dit des trucs comme ça. Il y a des points où il parle l'anglais dans son truc, mais la majorité c'est en français. C'est normal parce qu'il veut passer le message. Et c'est ça le rôle d'un artiste. Il passe le message. Il parle des souffrances du pays. Mais alors, Jovi, est-ce que tu as passé un message de ton pays? Tu n'as jamais passé un message. Aucun de vous des artistes anglophones. Je me rappelle Mr. Leo ici. Les anglophones l'ont tiré Atlanta par la porte de derrière. Parce qu'on l'appelait les Black Legs. Vous ne chantez pas. Daphné est partie d'ici, la même chose. Il a fallu que Longue le remplace pour chanter. La même chose. Parce que vous ne parlez pas du problème anglophone. Vous ne chantez pas du problème anglophone. Vous devez chanter le problème anglophone, vous les stars là. Ce n'est pas Vassero, lui. Vassero a dit dans son morceau, même si tu ne comprends pas, je suis sûr que tu comprends. Ils nous ont trompés avec un problème franco-anglophone. Les enfants d'une même mère. Et il dit encore que... Ouais, j'ai tellement maîtrisé ça. Il dit encore que la guerre anglophone... La souffrance camerounaise, nous tous on la connaît. Elle va du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Parce que la façon dont on souffre chez les anglophones, on souffre un peu d'une manière, un peu la même chose. Mais ce que c'est plus grave aux nosos parce que ce gouvernement se sucre avec ça. Et je vais te faire comprendre que même au côté francophone, il y a les gens qui meurent tous les jours. Les accidents, tout ça là, ça fait partie. Les accidents de la vallée, les accidents de Douala Yaoundé, ça fait partie. Ça fait partie. On est tous ces Camerounais, on est tous en train de souffrir. Donc, il n'y a personne, nous tous, c'est ce gouvernement-là qui nous tue. Ce gouvernement-là se sucre partout. La canne qui est là, ce gouvernement-là se sucre avec ça. La guerre du Nozo, ce gouvernement se sucre avec ça. Mais alors, il y a partagé. On atteint même ça. Nous, on a mis les mots français dans nos chansons pour que tu nous acceptes. Quand tu dis nous, tu veux dire les francophones.
Je ne sais pas si tu veux dire les francophones ou bien quand tu veux dire nous. Ah, je vois les commentaires maintenant. Bonjour Brigitte. Je ne sais pas si tu, quand tu dis nous, il a fallu qu'on mette les mots français pour que tu nous acceptes. Je ne sais pas si tu veux dire les francophones ou bien tu parles à Vassero. Quand tu dis nous acceptes, j'ai bien dit là tout à l'heure que vous et les anglophones ont connu le marché du showbiz camerounais, sachant que il faut mettre un peu le français parce que les Camerounais, les francophones, beaucoup de francophones au pays, dans ce pays-là, beaucoup d'anglophones comprennent plus le français que les francophones connaissent, entendre. Beaucoup de beaucoup d'anglophones entendent plus le français que les francophones entendent l'anglais. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Beaucoup, donc, quand je parle en français, un anglophone, je suis avec les anglophones ici à LA beaucoup, un anglophone me comprend vite que si l'anglophone parlait à un francophone, l'anglophone parlait à un autre francophone, pas moi, qui connaît l'anglais, il va lui dire, il dit même quoi, il raconte quoi là. C'est comme ça que ça se passe. Donc, les anglophones ont maîtrisé le showbiz. Ils ont mis le français à l'anglais. Alors, mais ne viens pas te mesurer à Vassero. Vassero, c'est un artiste avéré. C'est un artiste, un activiste, un artiste qui veut passer le message au gouvernement qui comprend que le français, qui est la source de vos problèmes au côté anglophone, parce que le problème, c'est qu'ils ont voulu mettre le français. Ça veut dire qu'ils ne comprennent même pas l'anglais. Donc, Vassero a voulu passer le message à ce gouvernement-là en français. Première lettre, deuxième lettre, troisième lettre. Je veux que tu comprennes ceci. Parce que là, la lettre-là, c'est comme si c'est un peu d'orgueil. Et je n'ai pas aimé. Tu dis... Nous, on a mis les mots français dans nos chansons pour que tu nous acceptes. C'est un résumé de la crise anglophone. Qu'est-ce que tu en sais de la crise anglophone, Jovi? Tu ne connais rien de la crise anglophone. Si tu connaissais quelque chose de la crise anglophone, tu devais déjà parler de cette crise anglophone. Tu devais écrire ça. Tu devais chanter ça. Mais puisque tu dis au début que nous vivons ça dans le noir, pourquoi vous allez vivre dans le noir? Vassero a fait la prison parce qu'il a fait des tests, il a écrit, il a fait la prison. En tant qu'un rappeur, tu devrais même faire la prison. Parce que quand tu fais la prison, ça te cultive même plus. Tous les rappeurs d'ici ont fait la prison. Quand tu fais la prison, ça te cultive même plus. Vassero sort de la prison, il est au zénith. Quand tu sors de la prison, ça te cultive, ça devait te faire même cultiver. Mais tu ne veux pas aller en prison, tu as peur, tu restes dans le noir. Tu as peur de la prison. Lui, il a fait la prison. Et tu viens raconter des histoires pour dire que c'est un donneur. Nous, on a mis les mots en français dans nos chansons pour que tu nous acceptes. C'est un résumé de la crise anglophone. Tu fais partie du problème, je te répète. Comment tu peux dire qu'il fait partie du problème? Et je crois que c'est pour ça que Vassero s'est énervé. Tu dis qu'il fait partie du problème de la crise anglophone. Je ne sais pas si c'est parce que tu veux dire parce qu'il est francophone. Je ne sais pas ce que tu veux dire qu'il fait partie du problème. Par contre, Vassero fait partie de la solution. Vassero a cours. Vassero chante. Il y a un morceau. Je t'envoie aller l'écouter. Ça s'appelle Bamenda. Ça s'appelle Bamenda. Là où il chante du Nozo. Va écouter ce, avec les lyriques. Là, c'est le seul morceau qu'il a même fait avec du lyrique là-dessus. Va écouter ce morceau. Partagez ça, les gars. Partagez ça. Tu peux pas dire qu'il est, les choses que tu essaies de comprendre avec le cerveau, lui, il a ressenti ça dans sa chair depuis sa naissance. Et si c'est de sa faute? Les choses, tu dis,
Les choses que tu essaies de comprendre avec le cerveau, lui, il a ressenti ça dans sa chair depuis sa naissance. Et on en parle dans nos chansons. Rien. 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 Vous n'en parlez pas. Rien. Donne-moi un de tes morceaux que tu parles de la crise anglophone. Donne rien. Mais comme tu ne comprends pas l'anglais, tu n'en sais rien. Je vais te dire que Jovi, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Moi, j'ai toujours été... Moi, j'aime le rap. Et j'ai toujours dit à qui veut l'entendre que Jovi est l'un des meilleurs rappeurs du Cameroun. Parce que j'aime ton style. J'aime tout ton style, ton package. J'aime ça. Mais ce qui me tue sur toi, c'est ton orgueil. C'est ton orgueil. Parce que quand tu penses que puisque tu... On te dit, quand on acclame le danseur, lui, il veut... Tu es qui pour venir donner des leçons à Valsero? Tu es qui pour venir donner des leçons? Parce que Valsero vous a tout mis dans le même package. Valsero vous a dit que vous êtes des cancres. Valsero vous a dit que vous êtes des idiots. Valsero vous a dit que vous êtes des zombies. Et ce n'est pas normal. Voilà un artiste comme Shine qu'on a arrêté. Un artiste comme Shine de ton acabit, de ton niveau. Quand je parle, qui marche, mais qui est même ton ami, je suis sûr. Qui est l'ami de Minx? Qui est l'ami de Stanley Eno et toute cette bande-là? Qui est sorti pour dire, pour s'indigner? Qui est sorti pour s'indigner pour dire que, OK, voilà notre artiste qu'on a arrêté. Mais vous êtes dans le noir. Vous êtes des hypocrites. Et tu viens parler à Valsero. Tu viens parler à quelqu'un qui a rempli le zénith. Vous avez même vraiment l'audace. Hein? Tu devais te taire parce que tu n'as pas de niveau. C'est quelqu'un qui est déjà à un niveau que tu ne peux même pas parler. Je ne dis pas que tu n'as pas... Tu rappes mieux que lui. Ou alors, moi, je trouve que ton rap est vraiment soutenu. Mais il y a les niveaux. Si tu veux venir chanter aux États-Unis, on va te demander que tu as chanté où? On va carrément te demander ton CV. Tu vas dire que tu as chanté dans les petits bars, les petits snacks de Douala Yaoundé. Il va dire qu'il a chanté, au Zénith. Il a rempli le Zénith. Mais arrêtez de quand quelqu'un vous dit quelque chose, il est sûr de lui. Il est sûr de lui qui peut te dire et tu dois le respecter. Parce que malgré le fait que vous avez chanté ensemble, il y a le niveau, il a avancé. Et il peut venir te dire ce qu'il peut te dire. Tu as chanté. Voilà même Mr. Chan. Tu as fait les filles. Jovi, tu as fait les featuring avec des gens comme... Je sais pas avec qui tu as fait les featuring. Je sais que tu as... Je sais que tu es un rappeur. Je te respecte beaucoup. Mais... Voilà quelqu'un comme Mr. Chan qui a fait les featuring avec les Chaleurs du Panda. Moi, je ne connais pas trop tes morceaux. J'ai connu un de tes morceaux seulement. Un de tes morceaux qui m'a plu. Écoutons un peu Jovi. Voilà Tétique, Mentality, Strong Enemy. Cash, Basta, c'est Cash qui m'a plu. Best of New Bell Music, Sock Sock, David Nody Sleep. Tout ça là, les musiques, tout ça là. Attends, non. The Best of Jovi. Écoutons un seul morceau de Jovi, The Best of Jovi. On va continuer. Partagez les gars. Je vois un peu les commentaires. Tous les doigts sont réservés à Jovi. Hein. Allez, on appuie sur des
dérange. Pas les histoires de Chang Chang. Les nouveaux way ne font que commode. Nyang Nyang. Yeah. Je fais mes way lang et lang. Avant de tout, moi et tchat et lang. Yeah. Ici on boit à tout le monde et maintenant débrouillard. Tu fais un peu ici et puis tu fais un peu là-bas. Tous les jours sous le soleil comme un magouillard. On ne brûle pas les étapes, la vie c'est pas à pas. Tu veux Binda, faut chercher la pétasse. Son rôle ici c'est pour vendre les sales. Ballon des ronds, yeah, yeah, toucher les fonds. Tu penses que le swing est même boom, tu es con. Hier en boîte, j'ai vu que du dolon. 5 heures du mat, on a chop le bouillon. Moi et mon âge, nous roulons les filons. Et puis après, on se brise les poumons. Devil no sleep, bo. La wala, no give a sleep, bo. Nous là, tu dors, est-ce que le diable dort? Partagez les gars. Vous voyez leur style, ils mélangent le français et l'anglais. Ouais, le style, je sais que moi j'aime son rap parce que la mélodie ça te pénètre. Si tu aimes quelqu'un qui aime le rap, ça va te pénétrer. Et c'est la même chose pour Valsero, mais c'est différent style carrément. Lui, il se cache dans le noir, il ne veut pas parler des problèmes anglophones. Ça, c'est un featuring. Tu veux voir avec qui tu as fait le featuring. Donc, quand tu viens de raconter les histoires, je veux que tu pèses tes mots. Moi, je pense que Bassoro a raison de te dire que vous êtes des hypocrites au Cameroun. Tu chantes bien. Moi, j'apprécie, j'aime ton rap. C'est rimé, tu as les 12, 13, 14 là-dessus. Moi, j'aime bien ton rap. Mais tu ne dois pas raconter les histoires que tu ne peux pas supporter. Tu dis que vous êtes dans le noir. Vous souffrez dans le noir. Vous souffrez, vous préférez souffrir dans le noir. Tu préfères souffrir dans le noir. Vous êtes tous des hypocrites, les artistes camerounais. C'est pour ça qu'il n'y a aucun respect. Voilà un artiste. Vous chantez, vous gardez. Vous ne vous faites pas voir. Canal d'or, on ne te voit pas. Tu n'as pas de canal d'or. Tu ne bouscules pas. Tu n'as pas un manager qui va aller chercher peut-être pour qu'on voit un peu ton canal d'or. Rien. I don't know. Si tu as eu même un canal d'or. Les micmacs de canal d'or. Moi, j'aime bien son rap. Moi, c'est l'un des meilleurs rappeurs du Cameroun. Mais j'ai seulement suivi son rap comme ça. Mais en tant que combattant, j'ai suivi beaucoup le rap de Valsero. Ça m'a pénétré. Mais lui-même, chaque Camerounais qui va suivre le rap de Valsero, ça va l'imprégner. Mais tes petits trucs de Kunjan sans les trucs, bon. Est-ce que c'est pas nouveau? Les sorts, tout ça là, ce n'est pas nouveau. On veut dire, il faut parler des problèmes
Les problèmes qu'il veut pour le changement de ce pays. Les problèmes pour arrêter la guerre du Nozo. Il faut indigner. Il faut mettre ça dans la musique. Tu n'as pas ça dans tes musiques. Tu n'as pas ça dans tes musiques. Tu n'as pas ça dans tes musiques. Voilà, j'aime son style. J'aime son style. Je ne sais même pas là où il chantait là. Ça, c'est le concert de peut-être une marque. Ouais, le style comme ça, c'est pas un style que le Camerounais va aimer. C'est pas un style que le Camerounais va aimer. L'Américain va aimer ça, mais le Camerounais ne va pas aimer ça. Parce que c'est gangster, c'est tout ça. Ce n'est pas le style que le Camerounais va aimer. C'est ça qui fait ta différence, Jovi. Il faut faire. Donc, quand tu viens faire le bruit. Je peux seulement te dire le début de ton morceau. Ça fait un style maloc, ça fait un style. Pas encore vu un morceau qui parle de ça. C'est quoi ça? Ça c'est moi, pour moi. Regarde, alors je vais te mettre le morceau de Bamenda de Valsero. Tu vas voir la différence. Tu vas voir la différence. Parce que quand franchement, les Camerounais, vous avez trop d'orgueil.
quand vous dépassez, vous ne voulez pas, vous croyez que vous dépassez pas les gens. Quelqu'un te parle parce qu'il est sûr de lui. Et c'est comme ça qu'il faut aller avec vous. C'est pas ça ici. C'est pas ça ici. C'est pas ça ici. Suis un peu. Tu vois un peu. Suis la mélodie au fond. C'est quand même le high level. C'est quand même le high level. C'est pas parce que je suis combattant, je suis. Chaque Camerounais va suivre ça. Comment est-ce qu'un Camerounais ne peut pas suivre ça en ce temps? Tu joues un morceau comme ça pour le Nosso. Qu'est-ce qui va se faire? Tu n'as aucun morceau comme ça. Tu viens dire que tu mets ça dans tes morceaux. Tu ne mets pas ça. Tu parles d'une jansan, tu parles du piment, tu parles du sort, tu parles des histoires. Mon frère, avancez. Demain, un autre. Voilà Bamenda. Un dernier, juste un dernier. Suis ça. Cherche. Cousin, cherche. Regarde, il y a la finesse, il y a le message. Je t'avais prévenu. Tu es exactement. Toi, tu chantes comme tu chantes du Bikoussi. Comme les femmes du Bikoussi, c'est le cul, c'est le piment, c'est l'ondjansa. Voilà les messages qu'on veut. C'est toi qui l'as déclenché. Les jeunes, la lettre, c'était moi. Réponse, c'était moi. Qui des choses, c'était encore moi. Une position, réaction. T'as fait pousser la graine de la haine et la division. La coupe est pleine, la colère se déverse. J'ai jeté là à ta place, je la poserai avant qu'elle ne se renverse. Tu es en train de border près tout de Burundi en affaire. Suis un peu. Comment est-ce que il ne peut pas remplir? Comment est-ce qu'il ne peut pas remplir le zénith quand il y a près de 10 000 Camerounais à la diaspora? Qui souffre. Comment il ne peut pas? C'est ça l'artiste. Un jeune est-il sur son propre frère? Ce qui se passe, il devient le bourreau. Il se comporte comme une bande de mercenaires. Qu'est-ce que tu veux? Brûle un drapeau, aveuglé par la colère conçue ses idéaux. Quand le peuple perd ses repères et plonge dans le chaos, quand la détresse brûle des esprits, empoisonne le cerveau. Ça, c'est Bamenda. Quand le poison de la haine devient la source qui nous motive, celle qui nous divise, devient mission quasi impossible. Ça, c'est Bamenda. Ça, c'est le nord ou le sud-ouest. Tu veux savoir qu'est-ce qu'il a chanté pour ça? C'est parce que tu connais, tu comprends. Si tu vas sur ses textes, tu vas comprendre. Une main qui nous détruit. Ils sont devenus la fin. Ils ne marchent plus le mode pilotage économique.
en zone de turbulence. Réfléchis avant de prendre son arme. On ne pourra plus faire marche arrière, on ne pourra plus s'arrêter. Les bases de notre société, on va détruire tout ce qu'on est, on passera à la télé. Qui nous protège de nous-mêmes? Comment est-ce qu'il ne peut pas remplir le zénith? Comment est-ce que tu as un problème anglophone? Tu ne peux pas mettre, tu dis que tu vis dans le noir. Nous, on est nés avec ça, on vit dans le noir. Tu es quel artiste? Et tu viens te comparer parce qu'il vient te parler? Il manipule nos colères et nos frustrations. On sait ce que ça fait de voir mourir un être cher. On est prêt à mourir si tant soit plus nécessaire. Mon frère, je veux savoir pourquoi je meurs, pourquoi je fais la guerre. C'est quoi l'objectif? C'est mon ennemi. Pourquoi mon frère devient soudainement mon adversaire? À qui profite le crime? Quelle main qui tire la ficelle? Cousin. Il y en a qui pensent qu'après eux, ce sera le chaos. Il y en a qui s'organisent pour qu'après eux, ce soit le chaos. Ils veulent nous vendre un problème franco-anglophone. Des enfants d'une même mère, c'est à croire qu'on est tous idiots. What the fuck, nigga? What the fuck? Tout le monde le connaît, il va du nord jusqu'au sud-ouest en passant par la région de l'Est. On coule tous sous le poids des cruautés du système. Nous sommes tous dans la merde, ce n'est pas la peine de s'entre-déchirer. Mais tout est possible si on enfonce notre unité. What? Qu'est-ce que tu vas entendre? Nigga, what? Qu'est-ce que tu vas entendre qui n'a rien pas? Il n'a pas fait un truc pour le nozo. Et tu comprends l'anglais? Et le français, tu comprends bien le français. Maintenant, à ton tour, sors un morceau. Tu parles à ce gouvernement d'arrêter la guerre du Nozo. On voit. Sors aussi, que ce soit en anglais. Sing it in English. Let it be. Go ahead, sing it in English. Speak to the government. Go ahead, speak to the government. Tell them that they have to stop the war. In English. Lui, il a fait ça en français. Vas-y, chante en anglais. Tu parles. Si tu ne vas pas aussi aller en prison, tu as peur. Regarde. Tout ce qu'il a dit, il a raison. Tout ce qu'il a dit, il a raison. Bipez-moi les artistes là. Bipez les artistes là. Tous ces salauds là. Moi j'ai aimé sa sortie. Moi j'ai bien aimé sa sortie. Là il vous insulte bien là. Ça... Bonjour les enfants. C'est papa. Le pauvre et misérable parce que vous êtes d'abord pauvre dans le cœur. Yep. Et misérable dans le cœur. Nigga. Artiste camerounais autant que vous êtes. Bande de crevards misérables. Vous êtes à l'image de votre pays et votre musique est à l'image de vous. Sans talent, sans émotion, sans rien, parce que vous êtes des crevards sans amour. C'est vrai. Il n'y a pas d'émotion dans un pays qui souffre. Votre émotion, non. Vous vous nourrissez des cadavres. Je comprends aujourd'hui que le principal sentiment qui anime les artistes camerounais, c'est la jalousie. Ils sont jalousies les uns contre les autres. Ils sont hypocrites. Quand vous voyez un artiste camerounais parler à un autre artiste camerounais là au Cameroun, ce qu'il a dans le saumon de... Partagez les gars, partagez. Ils ne s'aiment ni d'Adam ni d'Ève. Si je prends un petit crevard comme l'autre petit crevard, c'est Mings par exemple. Ce crevard, il y a quelque temps, je le voyais, il faisait ami-ami avec Shine.
Maintenant, il dit que lui ne sait pas de quoi on accuse un chat, donc mieux lui ferme sa bouche. Déjà, lui, il était au canal d'or, il est rentré avec ses deux chats. Vous suivez? C'est tout ce qui... Son frère, parce que je les voyais très amis. Mais lui, tout ce que lui trouve que c'est intéressant à dire. N'importe quoi. Son frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait à Londres des noms. Lui, il est rentré avec... Ne pas parler à Stanley, non, à Kausi, à Chauvi, à... Tous ces bandes de petits mécréants aussi, la joie, là. Les gars, croyez-moi, c'est chacun qui aura son tour chez le coiffeur. I'm telling you. C'est chacun parmi vous, artistes camerounais, qui aura son tour chez le coiffeur. Partagez, les gars, partagez. C'est qui se fait ta même ici. Je peux comprendre. Je vous aime pas, vous ne m'aimez pas. C'est normal. J'ai mes potes même qui veulent me tuer parce que j'ai... Mais comme je suis quelqu'un de précis, je sais où je vais. C'est pour ça que pour moi, la justice ne dépend pas de quel bord politique vous êtes ou de ce que vous avez fait avant. Je suis quelqu'un de droit. Quand il s'agit de Vassero, je comprends. Vous ne faites pas de politique. Vous ne voulez pas être mêlé à la politique. C'est la jalousie. On peut tuer tout le monde dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous, les artistes camerounais, vous ne vous mêlez pas de politique. On peut brûler, même si on brûle, il n'y a aucune statue. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas de statue. Vous n'avez pas de statue parce que vous ne le méritez pas. That's right. On tue un enfant dans la voiture. Vous ne faites pas de politique. Mr. Shine, ce n'est pas la politique qui l'a amené en prison. On peut quand même dire que Mr. Shine, il n'est pas un taliban. Hein, les gars? Mr. Shine n'est pas un taliban. Mr. Shine, c'est un gars comme vous. Vous jonglez à doigts là ensemble. Chacun tire et pousse. Vous vous passez les filles, les femmes et tout et tout. C'est votre combi de galère. Mais vous avez tellement la jalousie dans le cœur que vous avez trouvé que non. Déjà, si vous dites que vous ne faites pas de politique, ça ne marche pas. Maintenant, vous vous dites, on ne fait pas que la justice se prononce. En quel moment donner du soutien est conditionné par le fait que la justice doit se prononcer. Si après la justice se prononce, on dit que Shine est coupable et pas en prison, en quoi votre soutien que vous lui avez porté vous pose? L'essentiel est de donner le soutien, au moins mettez-le dans le fait. Que vous vous étiez trompé d'avoir soutenu Shine, maintenant la justice a dit qu'il doit aller en prison. Oups, on vous met par de crevards. Vous savez, la première chose que Paul Biya vous a volé au Cameroun, les artistes camerounais, Le cœur. Vous n'avez pas de cœur. Aucun. Vous ne méritez pas de statut. Ne pas alors parler des vieux rappeurs là. Eux, c'est pire. Ils n'ont même plus le cœur. Ils ont le siège de la haine et de la jalousie dans le cœur. C'est-à-dire que je ne veux pas mettre même vos noms dessus. Vous, alors, les vieux bâtards. Parce qu'en fait, ce n'est pas votre génération. Mais même ça, vous devriez. Il y a un syndicat là au Cameroun. Vous savez ce que les crétins du syndicat disent? Ils disent que le gars n'est pas membre du syndicat. Pour le crevard artiste camerounais, il y a toujours une raison. Le syndicat donne quoi? Il a toujours une raison pour qu'il ne bouge. Il n'est pas membre du syndicat. Le syndicat donne quoi? Il n'est pas du syndicat. Si ce n'est pas du syndicat, il faut laisser là. Vous ne savez pas de quoi on l'a arrêté. Si ce n'est pas, vous ne savez pas de quoi on l'a arrêté, il faut laisser la justice faire son. Le pauvre crevard artiste camerounais ne se lève que pour aller faire la talakou et boire la bière d'en bas. Vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Vous ne valez pas l'amour de vos frères. Vous ne valez pas l'amour des Camerounais. Vous ne valez pas l'amour des Camerounais. Vous êtes des charognards, tous autant que vous êtes. Et vous allez tous mourir individuellement comme ça. Vous inquiétez pas. Shine, il va rester en prison. Il va crever là-bas et tout. Quelqu'un d'entre vous va encore aller sauter la fille de quelqu'un. Il va aussi partir en prison. On va aussi attendre que la justice ne fasse son travail. Quelqu'un d'entre vous va encore se faire draguer par la mère de quelqu'un. Il va dire oui. Il va se retrouver en prison. Et on sera là en train de dire, ok, bah écoutez, il faut laisser la justice faire son travail. Parce que vous n'avez pas d'honneur, ni de force, ni de dignité. Right. Vous êtes à l'image de vos canaux d'or. Vous sentez l'hypocrisie. Vous puez la lâcheté. Et vous êtes enveloppé de... Je sais, vous allez courir, vous valser aussi. Si je croise quelqu'un sur ma route, je l'étale. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Autant que vous êtes, vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire.
vous n'allez rien faire. Parce que vous êtes des minables. Parce que vous êtes des sombres minables d'artistes camerounais. Sans la moindre dignité, l'amour pour le prochain. Rien. C'est pour ça que vous misérez. Un misérable, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amour dans son cœur. Il n'a rien à partager avec personne. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes des bâtards de misérables. Sans amour dans le cœur. C'est pour ça que personne ne vous regarde même. Aujourd'hui, quand vous voyez mes potes qui veulent me tuer en disant, voilà, c'est où tu défends les crevards là, pourquoi? Parce que moi, j'ai de l'amour dans le cœur. Je défends tout le monde. Vous tous, bande de misérables que vous êtes. Vous tous. Mais je ne vois pas les commentaires, les gars. Mais vous valez pas la peine qu'on s'arrête pour vous dans la rue. Vous valez même pas la peine qu'on s'arrête pour vous dans la rue, artistes, parce que c'est ce que vous faites. Vous êtes des tristes artistes. Oh, no piece de Jovi, ok. Après un jour, Seigneur, je me rappelle toujours votre histoire que vous avez fait avec la MAC, là. C'est vraiment des choses comme ça que vous faites. Le mouvement des artistes camerounais. Vous essayez de copier les Ivoiriens qui ont la classe, les Nigériens qui ont la classe. Qui ont la classe et la force. Bande de crevards. Tout dans la tricherie. Même votre musique. Mais pas Javda, je suis en train d'écouter les morceaux. Je vais écouter nos pistes. Même le talent, vous n'avez plus. Bande de crevards. Bande de crevards. Allez, dégagez. Et les gars, taguez-moi chacun de ces merdes là si vous n'êtes pas brûlé le lac et suivez le courant et calant en l'air. Vous ne servez à rien au Cameroun. C'était papa. Je n'ai pas dit que Jovi n'est pas un artiste. Hein. J'ai dit depuis au début que c'est un artiste de talent. Je n'ai pas dit que ce n'est pas un petit artiste. J'ai dit seulement qu'il faut qu'il connaisse sa place. Qu'en ce qu'il dit dans les mots, qu'il sache que Bassereux est un autre niveau. Parce que quand tu as quelqu'un qui a un autre niveau, les 5 doigts ne sont pas la main. Mais quand quelqu'un te dépasse, essaie de t'approcher vers la personne. Même si la personne te dit des histoires, prends ça comme ça. C'est quelqu'un qui arrive au zénith, mon frère. Il peut l'aider. Ils font le même style. Il peut l'aider demain. C'est parce qu'il a dit que vous êtes là, vous ne supportez pas Shine. Vous êtes là les artistes. Et si ce n'est pas normal, ce qu'il a dit est mauvais. Il a dit que vous ne supportez pas un artiste, vous ne vous supportez pas. Voilà, chaque fois un artiste tombe, vous ne vous supportez pas. Il vous insulte des crevards. Il a cité en passant, il a cité Jovi. Jovi s'est fâché, il a écrit une longue lettre. C'est là le problème. Jovi a voulu montrer que oh, tu ne me dépasses pas, hein, tu ne me dépasses pas. Nigga, what? This guy, il a rempli le zénith. Opportunité. Je ne dis pas qu'il ne sait pas, c'est pas. J'ai toujours dit que c'est un bon chanteur. On va écouter nos pistes de Jovi. Bitcoin, the best money we've ever had. With a different kind of money comes a different kind of card. Crypto.com, Visa card, powered by crypto. C'est ce que lui veut, Vassero veut la solidarité. Now with the key, now with the ingata, now so now with the free.
Asking us all this shit, my biscuit for peace. Yeah, people is a bougie talk because they no fail no. Nothing ever change, this way una be disciple go. Market lock for Issa go, sick as say more and know the show. Bolo no day and game a day, I turn an empty pot for stove. Master look on man for pay, any man for year they manage. Some other man say French, some other man say English. Like say if I die today, all ya pungu they go finish. If you do me anything, but my soul never be tarnished. Some men they come out, other men they still remain for quarter. Problem there by men that go rich right for Kolofata. If Watata na one place, don't say dirty blood gutter. No be mrakata, you talk now, you the gongata. I check say I feel love till the day I see my jaka. I know I'm in problem now, so manjo one for waka. Cut up as na dwala man we sing a baba menda. 2019, a peace day for agenda. Wow. You be anglophone or francophone. You there for day or you there for your week. Wanna peace, but the men are not for greed. Massa. Now the men now so now the key. Now they got the now so now they free. It's gonna sold this shit, my be get for peace. Peace. Yeah. Wow. Merci. Merci Shavad. Merci. Merci, gars. Ça, c'est un morceau que je vais jouer. C'est un morceau que je vais jouer. Ça, merci, Shavad. De me dire de jouer No Peace. God don't come. Ça, c'est... Je retire ce que Vassora a dit parce que quand j'écoute son morceau, il y a quand même l'émotion, il y a le sentiment. Et je suis vraiment... C'est émouvant. C'est émouvant ce morceau de Jovi. Moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours respecté ce petit. Hein. Moi, j'ai toujours dit que le rap, lui, il est, c'est un bon rappeur. Voilà, voilà l'occasion de chanter. Non, mais et quand il chante, tu sens toujours, bon, je ne veux pas l'en vouloir. Il chante toujours, il ne veut pas d'autre. Mais quand tu l'écoutes, tu sens qu'il parle de ce pays-là. Quand tu écoutes ce morceau, tu sens qu'il parle du Cameroun. Il parle du Cameroun. Il parle du Cameroun. En tout cas, c'était mon... C'était bon. Il a pris mon cœur. Moi, j'ai aimé le morceau. J'ai vraiment aimé ce morceau. Peace. J'ai vraiment aimé ce morceau. Mais toujours est-il que ils doivent s'entendre entre eux les artistes pour se supporter. Les artistes camerounais ne se supportent pas. Les artistes camerounais ne se supportent pas. Ils devaient profiter. Ils devaient profiter avec l'affaire de Shine là. Sorti parce que Shine connaît tous ces grands artistes. Shine connaît Jovi, Shine connaît Minx, Shine connaît Stanley Eno, Shine connaît tous ces grands artistes. Shine connaît tous ces gars. C'est le moment de se mettre tous. Allez même chanter tous ensemble. Allez se mettre là-bas à machin. Sortir même, faire un concert, s'entendre pour dire que Free Shine, Free Order, comme ça on ne va plus jamais arrêter une autre personne. Vous pouvez profiter. D'un seul. Parce que Minx ne va pas venir dire que non, je ne fais pas la politique. Les chanteurs vont dire je ne fais pas la politique. Parce que vous ne connaissez pas pourquoi on l'a arrêté. Donnez ton soutien seulement avant de chercher à savoir pourquoi on l'a arrêté. C'est tout ce que je voulais dire. Je n'en
mettez les cœurs, regarde, si vous avez aimé, mettez les cœurs. Je vois plus les commentaires. Mettez les cœurs, les gars, mettez les cœurs. J'aime le style, regardez la mélodie. Ouais, 2 heures, tu chopes. Yeah. Ouais, c'est ça, les gars. Ouais, maintenant, vous avez vu que ça a donné, non? C'est ça qu'on appelle le buzz. Jovi a fait... Jovi a créé son buzz. Vassero a parlé de lui. Beaucoup de gens vont écouter. Et prochainement, il va mettre son morceau. J'aime le morceau de No Peace, là. Que tu m'as connecté, conseillé. J'aime écouter. Les gens vont maintenant commencer. C'est comme ça, les buzz. Les buzz positifs. Il a créé un buzz. Vassero a parlé de lui. Moi, j'ai écouté parce que j'aime Vassero. Ça m'a amené à écouter son morceau. Ça m'a amené à écouter aussi son rap. Et j'ai écouté la mélodie. Il parle du pays. Merci, les gars. Bonne nuit. Et demain pour le prochain avis. Peace. Je n'ai pas toujours ma page. Je serai obligé d'être avec les Amazones. Les filles m'ont lavé. Comment toi tu es dans la paille des Amazones, comme si ce n'est que les Amazones qui voient ça, qui voient là-bas. Les Amazones, c'est la page des Amazones, tout le monde passe par là. Colonel Soé dedans, Mars dedans, d'être colonel, tout le monde peut entrer là-bas dedans. Quand tu es, c'est la page qui nous dépanne. Si on est tous ensemble dans le combat, on peut utiliser n'importe quelle page. Mais vous profitez de ça pour insulter les gens. Moi, ça ne me dit rien. Moi, je vais qu'utiliser ça jusqu'à ce qu'on va me donner une autre page. Je vais qu'utiliser ça bien jusqu'à ce que j'aurai une autre page. C'est la page qui me dépanne. Facebook m'a bloqué. Je ne peux rien faire. Je ne peux même pas faire un direct sur ma page. Je peux seulement créer une autre page que je vais la faire peut-être. Je vais demander à un de mes administrateurs de me créer une page. Je dis, mon gars, merci. Love and peace. C'était Bertini. Dans Je dis mon avis.